regarde. En fait, c'est un... Mais attends. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis pas toute seule, je suis accompagnée et je suis avec ma cousine. Bah vas-y, dis quelle vidéo on va faire. Alors Sarah, elle a reçu des vêtements de sites chinois. Elle va les essayer et je vais les juger. Ouais, bah, pour changer un peu, je me suis dit que au lieu de vous faire genre une présentation classique, je me suis dit que bah, j'allais envoyer quelqu'un pour pouvoir juger le truc, tu vois. Tous les liens des tenues, enfin des trucs que je vais porter, que je vais essayer, seront en barre d'infos si ça vous intéresse, barre d'infos. Bon allez, vas-y, on va commencer tout de suite. En premier, elle va essayer ça. C'est genre un ensemble de pièces, ouais, avec un soutif comme ça. C'est bien pour les boîtes de nuit, genre pour les, tout ce qui est soirée et tout, c'est grave bien. Ça a l'air d'être beau, la qualité, tu trouves ça comment toi? Bof. C'est bizarre un peu, non? C'est bizarre, mais c'est beau. Ouais. On voit le plastique, oui. Vas-y, retourne-toi. Tu trouves ça comment? On ne te voit pas. Pourquoi tu rigoles? Ça se fait pas, pourquoi tu rigoles? Alors, je vous... Mais c'est quoi ça? En fait, à la base, bon, c'est censé être genre... Ouais, c'est vraiment un truc de soirée, mais j'aime bien la couleur, le rouge. C'est joli, c'est joli. C'est pailleté. Mais c'est gros. Non, c'est pas gros. Il y a deux fils. Ouais. Genre, je sais pas où ça s'attache. Peut-être que... Je sais pas. À l'avant. Ah! Ah, je crois que c'est ça, hein. Ah, mais c'est beau! Ouais. J'ai pris du S et là la taille elle est genre ça va. Donc ouais, ça je valide, moi j'aime bien. Toi tu valides ou pas? Je pensais que tu validais. Deuxième tenue, je rigole déjà en fait. Deuxième tenue, donc c'est un ensemble de pièces. Vas-y, retourne-toi s'il te plaît. Retourne-toi. Bon, en fait, attends. J'ai les yeux fermés. Tu essayais un truc et tu rigoles. Non mais tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi je rigole, regarde. Attendez, en fait ça... En fait c'est un ensemble de pièces, mais il y a un petit problème de taille. C'est pas moche, mais c'est juste la taille. C'est ma taille ça. Non, franchement, sérieusement, c'est pas moche. Je dirais que je vais danser genre de ouf, tu sais, des vrais danseurs dans les soirées, les spectacles et tout. J'ai pris taille S. Franchement, au niveau... Ok, donc il y a un problème. Pourquoi tu ris en fait? Donne-nous ton avis parce que... Ouais, c'est grand, regardez comment ça baille. J'ai pris du S. Franchement, au niveau de la longueur et tout, ça va. Le truc, c'est que c'est beau, mais c'est grand. C'est grand en fait. Regardez. En fait, il y a tout ça de trop en fait. Mais sinon, franchement, au niveau de la longueur et tout, ça m'arrive bien à la cheville, bien même en bas. C'est pas la meilleure qualité. Hein. Je transpire déjà dans ça, ça doit retenir de ouf la transpiration. En plus, ça, c'est des matières quand t'allumes un briquet. Chou. C'est vrai, les matières, tu sais, quand t'allumes du feu à côté, ça prend direct. T'aimes pas? C'est moche. On dirait la danseuse de cabaret. Oui. Tu valides ou pas? Moi, je suis... I don't know. I'm not sure. Mais regarde. Next tenue. C'est simple en fait. C'est cute. C'est simple. C'est beau. Donc c'est une robe en pull. Si vous avez remarqué en fait le petit haut jaune que j'avais tout à l'heure, bah ça c'est la robe mais en gris. C'est exactement la même chose avec les manches et tout. Franchement j'aime bien. I like. J'aime bien. J'aime bien genre le détail ici là. Et c'est pas de la mauvaise qualité. Par contre ça pique un peu. Je sais pas en quelle saison tu peux mettre ça parce que c'est lourd en fait. Avec les 30 degrés qu'il fait dehors, je peux pas mettre ça. Of course, je peux pas. Mais je trouve que c'est joli hein. C'est super beau. Donc c'est une robe, ouais, elle est courte. J'aime ça. C'est beau. Bon, elle est pas méga courte. Si, elle est super courte, tu trouves? Ouais. Elle m'arrive à là. Tous les articles, j'avais pris du S. Normalement, tout à la base était censé rentrer. Bon, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus resserrée quand même. Au niveau d'ici, il y a un peu d'espace. J'aurais aimé qu'elle soit bien serrée et ça aurait fait grave beau. Moi, je la trouve bien comme ça, même pas resserrée en fait. Ça fait plus après-midi. Ouais, genre, chill. Tranquille. Ouais, moi j'aime bien. Et la qualité sur ça, il n'y a rien à dire. Les manches, elles sont archi longues. Ça, j'aime bien. J'aime bien le petit détail et tout sur les trucs. Ça, franchement, moi je valide. T'en penses quoi? Je valide. Valide. Next! Vas-y, retourne-toi. Je sais pas trop comment je dois prendre ça. En fait, c'est quoi? Non. En fait, c'est le haut, hein, pas le bas. Le bas, c'est un truc à part, ça n'a rien à voir. Non, en fait, c'est grand. Sur le site, c'était joli. C'est grand. C'est grand, je me dis. C'est du S. Je me dis que c'est grand. Sinon, c'est beau, en fait. Mais je sais pas. Comment tu veux porter ça? En fait, je sais pas, genre. Tu sais quoi? Attends, je vais essayer de fou. Peut-être que ça sera mieux. Je valide pas. Mais attends, j'ai pas fini. Attends, je vais au moins. C'est moche? J'aime pas. C'est vrai? Mais attends. Mais c'est joli comme ça. Moi, j'aime bien. Hein. Comme ça, regarde, c'est joli. Je sais pas si le col, il doit être comme ça. Bon, franchement, déjà, pour vous parler de la qualité, ça va. Pourtant, ça, c'est un truc, normalement, il devrait avoir beaucoup de fil.
bon, il y en a juste un là. Mais sinon, ça va, il n'y a pas de défilé. La qualité, qui prend... ouais, là, la qualité, elle est bien. J'ai mis un soutien-gorge noir en dessous parce qu'à la base, bah, il est que comme ça. Je vais pas sortir comme ça. Mais sinon, fourré comme ça dans un short, j'aime bien avec une paire de talons. Je trouve que ça pourrait passer. En vrai, ça va. Quand on le met comme ça, en fait, ça n'a ni forme ni rien. C'est plus beau fourré. Yeah, I like it. Moi, je valide. Ensuite, prochain article, vas-y, retourne-toi. C'est juste le haut, encore une fois, c'est pas le bas. C'est un top simple. Je me suis dit pour l'été, tu vois, c'est bien d'avoir des petits t-shirts comme ça. J'ai pris taille S, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus serrés. Je valide. La qualité est parfaite. Ouais, la qualité est archi bien. Pour un chinois, franchement, je trouve que ça va. Leur qualité, ça va. Parce qu'il y a pire. Ouais, comme ça, ça fait bien le jaune et le kaki comme ça. Ouais, mais j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus resserrés quand même. Hein. Et j'aime bien les détails là en fait. Et j'aime bien la couleur parce que c'est un jaune qui pète. Je trouve que ça peut faire bien. Je valide. Tu valides? Moi aussi. Voilà, vas-y, retourne-toi. C'est juste le haut. T'en penses quoi? T'aimes? Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime. Ok, je vous montre. La qualité elle est bien. Ouais. J'aime bien la qualité. Mais il y a des fils hein, par contre, regarde ici. Genre il y a des fils au niveau des manches et tout. Il y a beaucoup de fils. Et en fait, bah, c'est un chemisier ouvert comme ça. Il n'y a rien. Vous avez juste à l'attacher comme ça. Faut pas trop se baisser hein. Parce que quand tu le baisses, après je crois qu'on va descendre. Regarde, regarde dans le miroir. Non, en fait, ça va. Non, enfin, vu que j'ai des petits seins, ça va. J'aime bien la couleur parce que c'est un bleu qui est vraiment joli. Bon, après, là, c'est pas repassé et tout. À part les fils, je trouve que la qualité est bien. La qualité est parfaite. La qualité est bien. Je peux même juste te mettre comme ça aussi. Non, c'est moche comme ça. Non, mais après, si ça. Ouais, c'est bizarre. Les deux sont. Allez. Je suis styliste. Tu me. Ah, non. Hein? I'm a fashionista. J'aime mieux, tu coupes. Ok, donc du coup, là, on a fini avec les. Validés. Là maintenant on va passer aux accessoires. Là je vais rester habillée comme ça parce que j'ai pris des lunettes comme ça, classiques, noires. Et sur le côté genre il y a un petit détail, je trouve ça mignon. Ouais. En fait, à la base. Attends, pourquoi tu as enjaillé? Pourquoi elle a enjaillé? C'est moche. Je sais pas, regarde dans le miroir. Ça veut dire que c'est... Oh, t'es trop là en fait. Ça va quand tu te donnes un genre. Mais quand bah, tu fais ton rue. Visage de... Non. Je trouve que ça fait classe en fait. On dirait que c'est des lunettes un peu chères quand même. Non, n'importe quoi. Voilà. Prochaine paire de lunettes, donc c'est celle-ci. Je pense que genre sur Insta, sur les réseaux, genre vous voyez ça beaucoup. C'est les... Comment j'appelle ça? Les lunettes de Total Spy. En fait, ces lunettes-là, elles sont spéciales parce que genre soit ça fait beau, soit c'est moche en fait. Non. Moi, j'aime bien les descendre un peu. C'est bon pour qui en fait? Girl. Bye, Felicia. Non, sérieusement. Pareil, un peu dans le même délire, genre en noir. Comment on appelle ça? Des lunettes de chat. Celles-ci aussi, je les aime bien. Je les trouve archi belles. Parfait. Elles me vont bien? Ouais, je rigole. Ok. Non, franchement, je suis satisfaite. Donc, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Suivez-nous sur Snap, Insta. Je vous mettrai nos Snap, Insta juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. Si vous avez des questions, barre d'infos, toutes les informations. Barre d'infos. Si vous avez des questions, commentaires, toutes les informations seront en barre d'infos. Je pense que c'est tout. Ok, les gens, bye. Au revoir.